50 logements et 4 étages du bâtiment s'est réduit en poussière. Dès ce matin, les pelles mécaniques ont commencé leurs travaux de démolition dans le quartier des Isards. Un moment douloureux et éprouvant pour certains habitants. Je suis venue pour voir la démolition. Alors voilà, c'est peut-être un peu sadique quelque part. Et je suis venue voir quand même. Ça fait mal au cœur, vous savez, ça fait mal au cœur ce qui se passe. Et on voudrait savoir pourquoi on en est là. J'ai grandi là-dedans, quoi. C'est obligé de voir comment ils vont détruire ça. Ça fait un peu pincement au cœur. C'est un bon quartier, il faut dire. Même qu'il y a des trucs qui se passent, mais ça a été, les gens ils sont bien et tout. Les personnes âgées qui ont grandi, ils m'ont vu grandir ici, j'étais à l'école en face là. C'est ça, c'est. Moi c'est que du bonheur là-dedans, j'ai eu que du bonheur. On était très bien, on était très contente. Il y avait beaucoup d'animation, il y avait beaucoup. C'était pas du tout pareil comme maintenant. Ça a changé beaucoup quand même. On s'est content, oui, ça a changé. Je pense que ça ne changera pas grand-chose parce qu'on déplace les problèmes. Après plus d'un an de concertation, les occupants ont pour la plupart été relogés du côté de Bordeaux-Rouge. Les 4 autres immeubles qui entourent la cité de la place du Fan seront eux aussi détruits dans les prochaines semaines. C'est important qu'ils s'approprient le projet parce que passer d'une vie, ce quartier à 50 ans, à autre chose, on sait que c'est toujours un moment difficile, à la fois souhaité, parce qu'il y a aussi quelques problèmes sur le quartier. Donc c'est un moment qui est souhaité, mais on a aussi du mal à quitter le passé. Donc pour chacun d'entre nous, vous savez, un déménagement, c'est une difficulté. Quand vous ne l'avez pas choisi, c'est une difficulté plus grande encore. Donc oui, il a fallu dialoguer, travailler avec eux, leur proposer des garanties sur le déménagement, les accompagner pour que ça puisse se faire avec le moins de ruptures possible. Mais c'est toujours un moment difficile, oui. Après la démolition du bâtiment, le terrain sera une friche. Jusqu'à la fin du mois de mai, une consultation a lieu avec les habitants pour aménager cet espace durant l'été. Un espace qui sera a priori dédié à des animations culturelles et sportives avant la création de nouveaux logements.